Bonjour, avec vous Monsieur Sef Dalal de la chaîne Jeux TV. Alors aujourd'hui on va voir une séance de communication. Il s'agit de correction de ces 270 activités. On sait déjà que la communication progressive du français est destinée uniquement pour les adolescents, les faux adolescents et les adultes. Alors on va voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner, vous mettez des likes et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Si vous avez des remarques, vous pouvez ajouter dans les commentaires. Vous êtes le bienvenu. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner. Je Communique TV, c'est une chaîne pour la communication. Vous pouvez ajouter aussi des commentaires. Et si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous pouvez cliquez sur like et avoir de nouveautés, vous cliquez sur la cloche. Merci. Alors, chaque début de séance, c'est vrai ou faux? C'est une activité pour tester est-ce que vous avez bien compris la situation de communication déjà étudiée. Mettez les phrases au futur proche. C'est donc deuxième activité qu'on doit bien sûr corriger. Mais avant cela, il vaut mieux de vous rappeler la situation de communication ici acte de parole. C'est protester. Protester, c'est l'acte de langage du thème renseigner, se renseigner. Au camping, c'est la situation de communication qu'on a déjà étudiée. Madame Jourdain, Monsieur Vignon et Madame Moreau ne sont pas tout à fait satisfaits de la qualité présentée au camping. Madame Jourdain, excusez-moi, mais vous annoncez dans votre publicité camping ombragé. Où est l'ombre? L'employé, ah oui, nous avons eu un problème avec les arbres. Monsieur Vignon, ce n'est pas normal. Vous dites camping avec vue sur la mer. On ne voit pas la mer qui est à 10 minutes en voiture. C'est scandaleux. Je vais en parler au directeur. Où est-ce qu'on peut prendre une douche, hein? Les douches sont là-bas, madame. Plaisantez, la moitié des douches sont fermées. Je ne vais pas faire la queue pendant une demi-heure en plein soleil. Je vais demander à un technicien de venir. Alors, comme vous avez tous, Madame Jourdain, Monsieur Vignon et Madame Moreau ne sont pas satisfaits de qualité présentée ici au camping. Alors, ils protestent contre les services présentés ici au camping. Alors, maintenant, on va faire la correction de protester activité. On va commencer par première activité, vrai ou faux. Le camping est en plein soleil. Oui, c'est vrai. Puisqu'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas des allées ombragées. Le camping donne sur la mer. C'est faux. Aucune douche ne marche. Oui, c'est vrai. Alors, d'après ce qu'on vient de voir, c'est pas un camping. Et les pique-niqueurs ne sont. Les campeurs, plutôt, ne sont pas satisfaits. Alors, mettez les phrases au futur proche. On dit j'ai demandé à l'employé. On va voir je vais demander à l'employé. Ils ont pris une décision, ils vont prendre une décision. Tu es allé à la plage, tu vas aller à la plage. Il y a un point d'interrogation ici. Elle est venue avec vous. Elle va venir avec vous. Nous ne sommes pas partis tôt. Nous n'allons pas partir tôt. Toujours aller plus l'infinitif. Vous avez fait du camping.
Vous allez faire du camping. Je n'ai pas vu ce film. Je ne vais pas voir ce film. Il n'a pas fait les courses. Il ne va pas faire les courses. Alors, comme vous remarquez, toujours aller plus l'infinitif. Allez, on va passer à autre chose maintenant. Alors, je vais vous proposer maintenant deux activités, deux autres activités. De quoi parle-t-on? Et trouver une réponse qui exprime la protestation en utilisant chaque fois une expression différente. Regardez bien. De quoi parle-t-on, par exemple, c'est l'endroit où on peut mettre tente et caravane. C'est ce qu'on appelle le camping. Et trouver une réponse exprime la protestation en utilisant chaque fois une expression différente. Par exemple, l'hôtel n'a pas de connexion Internet. Non, c'est scandaleux. Ce n'est pas possible. Pardon? Quoi? Voilà. Alors, on va faire la correction maintenant. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner. Vous mettez des likes. Et aussi de cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés. Si vous avez des remarques, vous pouvez ajouter dans les commentaires. Vous êtes le bienvenu. Alors, si vous êtes nouveau ici, vous pouvez vous abonner. Je Communique TV, c'est une chaîne pour la communication. Vous pouvez ajouter aussi des commentaires. Et si vous aimez bien sûr ces vidéos, vous pouvez cliquer sur like et avoir de nouveautés, vous cliquez sur la cloche. Merci. De quoi parle-t-on? C'est l'endroit où on peut mettre tente et caravane. C'est le camping. C'est le lit dans lequel on dort sous la tente. C'est un sac de couchage. 4 étoiles, ça veut dire ce camping est luxueux. Et là, on a 4, ça veut dire 4 étoiles. On peut la planter ou la monter. Ça veut dire la tente. Ça se place derrière la voiture et cela permet de faire du camping. C'est ce qu'on appelle une caravane. Le camping, c'est l'endroit où on peut mettre tente et caravane. Un sac de couchage, c'est le lit dans lequel on dort sous la tente. 4 étoiles, ce camping est luxueux. La tente, on peut la planter ou la monter. Une caravane, ça se place derrière la voiture et cela permet de faire du camping. Alors, trouver une réponse qui exprime la protestation. On utilise chaque fois une expression différente. On dit l'hôtel n'a pas de connexion Internet. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas monter votre tente ici. Pardon? Le restaurant ne sert pas de vin blanc. Ce n'est pas normal. Nous n'avons pas de réservation à votre nom. Vous plaisantez, je crois. Les douches sont en panne. Quoi? Est-ce que c'est vrai? Le camping est fermé au mois d'août. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous dites? Alors, ce n'est pas possible. Pardon, ce n'est pas normal. Vous plaisantez. Quoi? Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous dites? Ce sont des expressions pour exprimer la protestation. Vous arrivez dans un hôtel et tout va mal. La chambre n'a pas de vue sur le jardin, la salle de bain n'a pas de baignoire, il n'y a pas de télévision, etc. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement protester. Alors imaginez jouer le dialogue avec le responsable de l'hôtel, c'est-à-dire votre ami. C'est une expression orale. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. C'était vraiment agréable d'être avec vous. Alors, à la prochaine.